Une grande défendresse de sa région, une figure de proue en éducation, une personnalité impliquée à fond dans sa communauté et surtout une femme qui n'a jamais eu la langue dans sa poche lorsque venait le moment de crier à l'injustice sociale. L'ex-députée Suzanne Tremblay, à l'aube de ses 80 ans, a été honorée de façon touchante au Théâtre du Bic dernièrement par ses pairs et amis réunis. L'émotion était palpable. Salut. Non, t'as pas dit ça. Excellent, on est heureux d'être là. Ben, ça n'a pas de ça, mais ça fait bien plaisir. Hey, j'ai ressorti mes vieux kits. Wow. Ici, vas-y, collègue, je suis La Cure, la coalition Urgence Rurale, est à l'origine de l'événement Hommage. Les membres trouvaient important l'idée de souligner la carrière de Suzanne Tremblay. Suzanne a contribué grandement au développement socio-économique de notre région, à la défense de sa ruralité. Le rôle de la CURE est de défendre la ruralité, de s'assurer qu'il y ait un développement durable de nos collectivités au Bas-Saint-Laurent. Et toutes les actions de Mme Tremblay au cours des 30 dernières années ont été en ce sens de développer notre région, de défendre les intérêts de notre région. Pourquoi maintenant? Bien, parce que ça ne s'était pas fait auparavant. Et Mme Tremblay a laissé son empreinte assez significative, autant dans la région, dans le Québec, qu'à travers la francophonie. Elle a travaillé dans des domaines en matière d'éducation où elle a établi des normes et des standards pour les générations futures. Vous avez probablement eu maintes fois la chance de côtoyer Mme Tremblay, de travailler avec elle. Parlez-moi de cette femme. Comment elle est? Comment elle a été avec vous et dans les dossiers qu'elle a touchés? J'aime bien votre expression, avoir la chance d'avoir travaillé avec elle, parce que moi, en étant plus jeune, je voyais Mme Tremblay qui faisait des envolées oratoires à la Chambre des communes. Je la trouvais bien énergique, qui disait tout fort ce que les gens pensent tout bas. Mais je la trouvais bien drôle, puis je trouvais ça agréable. Mais j'ai eu la chance en 2013 avec la coalition sur l'assurance chômage du Bas-Saint-Laurent, dont elle était la présidente, de la connaître. Et quelle femme merveilleuse, quelle femme vraie. Pour moi, Mme Tremblay, c'est une grande dame. Je me doutais qu'il y avait quelque chose parce qu'on m'avait prévenu mercredi qu'il fallait que je réserve ma soirée de samedi, qu'on allait au théâtre du Bic. Mais cette envergure-là ici, là, non, je ne me doutais pas ça. Puis surtout que j'ai fait le tour pour voir qui était là, là. Je suis vraiment très, très impressionné. Marnie Perrault, qui a terminé son mandat à la mairie de Saint-Fabien, a rencontré maintes fois Suzanne Tremblay. Toujours une femme acharnée, très bien préparée, avec une pile d'informations qu'elle détient. Toujours, avant même d'amener le dossier, elle a déjà fait des recherches. Je dirais, c'est une femme qui nous fait sauver beaucoup de temps en tant que mère. Mais quand elle a un dossier en main, elle va le mener jusqu'à la fin. Et vous pouvez être sûr qu'on n'aura pas besoin de le retoucher. Donc, moi, son parcours politique, je l'ai suivi depuis ses débuts. J'ai toujours trouvé que c'était une femme fort intéressante, fort engagée. Je pense que c'est un modèle à suivre. Suzanne est un peu comme un mini-whip, je dirais. Elle a un côté parfois un peu plus rugueux, un peu plus frondeur, un peu plus direct. Puis même un peu plus, c'est très direct par moment. Mais de l'autre côté, c'est une femme qui est capable, dans l'intimité, d'être douce, d'écouter et de partager, au sens où c'est pas simplement je prends le crachoir puis je dis des choses, mais j'échange. Elle a travaillé en politique où elle a défendu le comté de façon plus qu'ardue, comme une batailleuse, une grande joueuse. Mais aussi, c'est son implication sociale en tant que citoyenne qui est intéressante. Mme Tremblay, c'est une locomotive qui n'arrête pas. Elle a des idées tout le temps et des idées qui sont d'actualité à chaque moment. C'est pour ça qu'on l'a faite aujourd'hui. Je vous dirais que la première fois que j'avais rencontré Mme Tremblay, elle m'avait déjà confrontée. Puis, elle m'a poussée à me défendre.
c'est, je vous dirais que c'est le trait de caractère que, qui m'a marqué chez elle, puis que par la suite, j'ai toujours utilisé parce que je me disais c'était son plus beau trait, c'était de confronter, mais pour, de pousser l'autre à aller plus loin. Étant donné le nombre d'enfants, puisque je suis à 13e de 15 chez nous, qu'on était, c'était plus payant pour lui de nous mettre pensionnaires. Parce qu'au nombre de filles qu'on était, la première payait 35$, la deuxième 30. Puis en tout cas, moi, j'ai été 5 ans à l'école gratis. Hein? Logé, nourri. Okay. Les 5 premières années de mon instruction. Alors, comme le Ritalin n'existait pas, on nous a mis dans plusieurs activités. Mais moi, ils m'ont nommé réglementaire. La religieuse nous sonnait la première cloche pour nous réveiller le matin. Et moi, après, je sonnais toutes les cloches. Ça m'a donné droit à un privilège. C'est là que j'ai compris ce que c'était que les privilèges de favoriser dans la société. J'avais la seule étudiante qui avait le droit de porter une montre. J'ai tellement été obligée d'être à l'heure toute ma vie que j'ai appris à être en retard quand j'ai plus été réglementaire. J'imagine qu'on a la même méthode parce que moi, non, j'ai pas eu aucun problème avec elle. J'ai trouvé très efficace. On s'est toujours bien entendu. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Madame Tremblay est quelqu'un de vrai. Donc, on doit avoir la même méthode parce qu'on n'a jamais eu de problème ensemble. C'est une boule d'énergie. C'est une femme avec un leadership important. Je pense que, oui, dans la vie, il faut avoir ces images-là et ces modèles-là pour la suivre. De jeunes enfants ont chanté pour Suzanne lors de la soirée une pièce de Félix Leclerc retravaillée pour l'ex-députée. Avez-vous vu passer sur le chemin de Lens une femme habillée d'ardeur et d'espérance, toujours un pas d'avance sur la couleur du temps, fuyant les évidences et les renoncements. Elle a connu le vent et su garder dans ses bagages tous les Ce que j'ai admiré le plus dès le départ, c'est le respect immédiat que tu m'as porté. Tu étais la députée depuis 11 ans à ce moment-là, qui se retirait. Moi, j'étais le petit gars de 34 ans qui se présentait pour un parti absolument inconnu dans le coin. Et pourtant, tu ne me regardais pas de haut. Et pourtant, on pouvait se voir, se parler, et tu m'as même prodigué des conseils. Ça a été le cas aussi dans les élections suivantes. Ce que je peux dire, c'est... Même si on a eu plusieurs discussions, dans le temps où je faisais juste observer de quelle manière tu agissais, ça m'a permis d'apprendre comment agir comme député pour une région. Suzanne, juste te dire aussi, je te l'ai déjà dit, on se connaît depuis longtemps, tu m'as vu, j'avais des cheveux. Oui. Ça fait longtemps que j'étais au cégep, puis t'es venu souvent à Rivière-du-Loup me donner un coup de main dans le temps, que ça, c'était pas facile. T'as tout le temps été là, puis je t'ai toujours aimé, fort. Quand... Tu fais penser aux femmes de ma vie, de ma famille, ma grand-mère et ma mère. Même Malcommode, pareil. Un beau Malcommode. De quelqu'un qui dit ce qu'il a envie de dire, qui le dit franchement, sans malice, sans rien, mais qui le dit comme ça sort, parce qu'il a envie de le dire. Ma grand-mère était pareille comme toi. À chaque fois que je te vois, je pense. C'est le même sourire, même affaire. C'était... Et ça, je trouve ça important, de garder ce côté-là vrai de nous autres.